Bonjour, c'est Mogi. Salut, c'est l'aspirateur. Bonjour à tous, c'est Sup. Voilà, donc Sup, notre copinou de RPGZ, hein, donc tu es content, tu vas faire un petit topo sur un jeu que tu kiffes. Hein. Voilà. Donc sur Demon's Souls, jeu sorti sur PlayStation 3. Alors là, bon, on dit tout de suite, hein, Mogi et l'aspirateur, on va faire... Les deux bouffons de service, hein, donc les deux mecs qui poseront des questions, parce que nous, on n'a absolument pas joué du tout au jeu. Mais comme c'était Sup, c'était un de ses petits coups de cœur et tout. Oh bah c'est joli ça, dis donc. Et la télé, ce qu'on voit sous les images. Et voilà, donc Sup va faire un petit topo dessus. D'un jeu pas foncièrement connu chez nous. Et donc un jeu, ouais, bah PS3 qui. On ne sait pas d'ailleurs si est-ce qu'il sort chez nous ou pas, ou je sais quoi. C'est un jeu PS3, donc comme maintenant les jeux vidéo. Même certains jeux, titres de séries ou de trucs dérivés pas connus sortent chez nous, donc on peut peut-être espérer que ce soit chez nous. Voilà, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que Demon's Souls donc est sorti en exclusivité sur PS3 en fait le 5 février de cette année au Japon, et donc en fait le jeu par la suite est sorti en fait le 26 février en Corée et en Chine. Sachant qu'en fait, les versions coréennes et chinoises sont les seules à contenir une traduction anglaise complète, intégrale, c'est-à-dire texte, voix et menu. Donc ce qui était assez impressionnant, et qui plus est, cette traduction est vraiment excellente. Et donc du coup, j'ai été très étonné quand j'ai appris la nouvelle, et c'était un jeu que j'attendais beaucoup quand j'ai vu les screenshots et le premier trailer, et quand j'ai entendu la nouvelle, je me suis rué dessus. Et donc... Alors en fait, sinon ce qu'il faut savoir, donc en fait Demon's Souls fait partie en fait d'une série. Donc en fait le jeu a été développé conjointement par From Software et Sony Entertainment Japan. Donc en fait le From Software, donc que vous connaissez certainement plus pour Uncharted Arms et les Armored Core. Je sais pas sûr, peut-être John Connery, mais je crois qu'ils sont aussi connus pour. Pour, à partir de Tenchu 3, je crois que c'est eux qui ont récupéré la licence Tenchu. Donc des épisodes sympas et des épisodes bien pourraves aussi. Ah, c'est pas impossible. Alors là, donc en fait, donc bon, je vous parle un petit peu de la série là. Donc en fait, Demon's Souls est une suite spirituelle de la série qui a fait connaître From Software, qui est la série des Kingsfield. Alors les Kingsfield, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des dungeon RPG ambiance dark fantasy avec action en temps réel, donc un bouton pour frapper, pour utiliser les magies, etc. Et donc en fait cette série, donc il y a eu les Kingsfield et les suites spirituelles. Donc les Kingsfield qui comptent en fait 3 épisodes sortis sur PS1, donc 1, 2 et 3, sachant que le 2 et le 3 ne sont sortis en fait qu'aux States, sachant que le 2 aux States est considéré comme le 1 et le 3 comme le 2, donc bon, souvent casse-couille avec les chiffres, ces US. Et ensuite, il y a eu un Kingsfield 4 qui est sorti sur PS2, qui est arrivé aux US et chez nous en PAL, d'ailleurs c'est le seul épisode sorti chez nous. Par la suite, il y a eu 2 Kingsfield sur PSP, Kingsfield Additional 1 et 2, qui sont en fait 2 opus un peu particuliers, donc exclusifs à la PSP, qui en fait ne se passent pas ceci en temps réel, mais sont des dungeon RPG plutôt classiques, disons un peu à la Darkspire ou... voilà, ces jeux, en fait, vous avez des ennemis qui se présentent à l'écran, etc. Et c'est plus un déroulement dungeon RPG et RPG normal. Donc ensuite, par la suite, vous avez eu 3 Kingsfield, donc Kingsfield Mobile 1 et 2, et Kingsfield X qui sont sortis sur téléphone portable uniquement au Japon, évidemment. Mais je crois qu'il est possible de les télécharger en US, enfin, il y avait une histoire comme ça. Et vous avez le dernier qui est en fait... Sword of Moonlight Kingsfield Making Tool, qui est en fait un logiciel PC pour créer ces niveaux de Kingsfield, donc niveau qualité PS1, enfin voilà. Et ensuite on a les suites spirituelles qui en fait se composent donc de Shadow Tower qui est sorti sur PS1, Shadow Tower Abyss, donc sa suite sur PS2, Eternal Ring qui est assez controversé, et on arrive enfin à Demon's Souls,
sur PS3. Donc, alors il faut savoir que la série des Kingsfield à la base est assez mitigée. D'un côté, on a ceux qui sont contre la série car le gameplay est généralement extrêmement lent. Les jeux sont difficiles et les graphismes sont globalement tout juste passables pour la PS1 et de la PS2. Et donc en fait, de un américain en armure, je suis obèse. Ça va nous faire rire là avec la classe. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, donc après pour les gens qui sont pour la série, c'est comme dans Demon's Souls. En fait, elle est dotée d'une excellente ambiance, mais vraiment excellente ambiance dark fantasy. Vraiment, enfin, quand on vous dit ça, c'est pas vraiment, faut pas vous mettre en tête les récits de base, vraiment, voilà, cucu qu'on a déjà vu mille fois. Là, c'est extrêmement travaillé et l'ambiance est très prenante. Et donc aussi parce que ce sont des jeux riches. Parce qu'en fait, si vous voulez, au-delà de l'aspect, difficile à prendre en main, rustique et tout. Les Kingsfield cachaient un véritable système assez développé avec des combats relativement difficiles et presque épiques, notamment donc Demon's Souls avec son passage en vue à la troisième personne et gameplay un peu hack and slash, etc. a poussé ça jusqu'au bout. Et on a là vraiment l'aboutissement de la longue série. Toutes les qualités sont réunies vraiment dans cet opus qui est absolument excellent. Donc, alors, là, le lieu dans lequel je me trouve, pour en venir directement à Demon's Souls, donc là, en fait, je me trouve dans le Nexus. Le Nexus, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la ville de base du jeu qui, en fait, se compose un peu comme un Diablo. Et c'est la ville de traverse, mais pour les hardcore. Bah, en fait, si vous voulez, là c'est que ça se compose un peu comme Diablo. Vous avez en fait la ville. Il faut que tu vois Donald et Mickey des fois. Salut, viens, mon noble chevalier. Ah non, c'est pas du Kingdom Hearts, attention hein. Et donc là en fait. Donc comme dans Diablo, vous avez la ville de base où vous pouvez faire un peu tout. Tout à l'heure, vous avez vu, donc il y avait le PNJ en fait qui me permettait d'augmenter mes points de stats. Il y a un forgeron, des persos pour apprendre des sorts, des quelques marchands comme ça. Et ensuite, vous avez la partie donjon. Donc là, je viens de regarder les 5 stèles. En fait, le jeu se décompose de la manière suivante. Donc vous avez la ville et vous avez 5 stèles qui composent les donjons. Ces donjons ensuite sont chacun décomposés en 4 chapitres et à chaque chapitre en fait vous avez un boss. Et bon, sachant que évidemment bon le premier chapitre en fait vous n'avez pas vraiment un boss dès que vous arrivez, donc en fait c'est 3 boss pour 4 chapitres en fait. Et donc alors là ce qu'il faut voir, donc là je suis en fait tout en haut du Nexus et tout en haut du Nexus vous pouvez trouver un Panthéon. Le Panthéon, en fait, qui vous renseigne sur tous les autres joueurs de l'univers de Demon's Souls, parce que Demon's Souls est un jeu, ça va vous faire bizarre à entendre comme ça, mais c'est un... C'est un jeu de drague. Rien à voir. Avec Mickey et Donald. Et donc, en fait, le concept, c'est que c'est un jeu à la fois offline et solo, mais en même temps online. Alors... Comment ça se fait ? En fait, le principe, c'est simple. C'est quand vous jouez à Demon's Souls, le jeu se connecte directement au net. Bon, sauf bien sûr si vous débranchez le câble, auquel cas vous pouvez tout à fait y jouer offline. Mais le truc, c'est qu'en fait, en étant connecté, donc vous allez en fait pouvoir avoir accès aux différentes fonctions très sympathiques et qui participent à l'ambiance du jeu. Donc notamment, on a les messages que vous verrez un peu plus tard. Et donc, je suis sûr que les gens depuis tout à l'heure ils se disent mais il est énorme ton personnage, il nous parle sérieusement. Oui, en fait là ce que vous pouvez voir c'est j'ai récolté, donc là je suis dans une partie assez avancée, j'en suis maintenant à presque 100 heures de jeu. Et ça, bon, à la base c'est censé être l'armure la plus puissante dans le sens
qui a la meilleure défense du jeu. Mais elle est immonde, je la déteste et je pense que j'en changerai bientôt. Et donc en fait, pour ce qui est des fonctions online, voilà. Donc vous avez dans un premier temps les taches de sang. En fait, les taches de sang, quand vous les examinez, en fait, ce sont des petits replays qui vous montrent en fait ce que les autres joueurs dans leur partie, leurs dernières secondes avant de mourir. En fait, ça vous montre ce qui s'est passé avant qu'ils meurent. Et donc, quand vous êtes en donjon, ce genre de choses, ça peut vous renseigner en fait sur, par exemple, admettons, je sais pas, vous êtes au détour d'un couloir, vous voyez une tache de sang au commencement du couloir, vous regardez et d'un seul coup, dès que le fantôme rouge passe derrière le couloir, il meurt, donc on se dit ah bon bah il y a un monstre de l'autre côté du couloir, donc je vais prévoir le coup et voilà, je vais me défendre. Donc là ensuite vous pouvez voir les messages, donc les messages en fait qui sont composés donc avec la touche select qui nous donne accès en fait à un générateur de mots. Et donc avec ce générateur de mots qui est extrêmement complet, il y a largement plus de mots qu'il n'en faut, on peut composer des messages à laisser sur le sol ensuite et qui seront visibles par tous les autres joueurs, chacun dans leur partie de Demon's Souls. Là par exemple, si je laisse un message à cet endroit précis, et ben dans 5 secondes, le temps qui s'affiche bien, les autres joueurs, je sais pas, admettons la personne qui joue en Amérique, on va dire en Amérique du Nord, et ben dans 5 secondes, elle, si elle est au même endroit que moi dans sa partie à elle, et ben elle va voir mon message par terre. Et c'est quelque chose de très pratique qui, comme les taches de sang, permet de vous renseigner. Par exemple, les joueurs vont vous laisser des messages du style, par exemple, je sais pas, admettons au tournant d'un couloir, toujours il va y avoir un monstre super puissant, et bah la personne va vous avertir, attention, au détour du couloir, monstre puissant, des informations comme ça. Et c'est vraiment génial, parce que ça participe à l'ambiance. Ça permet, même si on est seul durant tout le jeu, ou du moins presque avec les personnages dans le Nexus, ça permet de garder une certaine présence. On sent qu'on est accompagné dans la quête, mais pas par des êtres physiques. Donc ça procure une ambiance, voilà, toujours dark fantasy, esprit machin. Tu veux dire quelque chose ? J'allais dire une grosse connerie en fait. En fait, depuis tout à l'heure, je pensais qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que les autres joueurs en fait sont représentés comme une sorte d'esprit. C'est ce qu'on les voit un peu, c'est de manière spectrale. Je faisais un parallèle. C'est-à-dire que le gamin de Cole dans le sixième sens, il voyait des mecs online. Ah, j'ai un secret et tout. Quoi, je vois des gens online. C'est ça en fait le truc de sixième sens. Voilà, donc en fait, là vous avez le sixième sens remaké sur PS3 exclusif. Avec une grosse armure. Voilà. Donc en fait, alors, bon, pour continuer, donc vous avez les messages comme ça, qui sont très utiles. Et vous avez les fantômes blancs qui sont juste en fait les esprits d'autres joueurs, donc vous les voyez se balader dans votre monde. Alors c'est jamais surpeuplé évidemment, parce que voilà, la console en affiche que quelques-uns pour justement pas vous inonder. C'est sympa, ça participe aussi à l'ambiance. Et voilà. Alors ensuite vous avez deux autres types de fantômes. Vous avez les fantômes bleus. Alors les fantômes bleus en fait ce sont des PS. Et Casper le fantôme aussi des fois. Il t'aide, il est gentil Casper. Dans un milieu glauque et tout. Et oui, donc en fait, les fantômes bleus donc, qui vous servent d'aide, en fait ce sont les joueurs d'autres mondes qui laissent des messages par terre pour proposer de l'aide et que vous pouvez voir dans votre monde à vous. Et vous pouvez donc, en appuyant sur ces messages, dire aux joueurs, bah tiens, ramène-toi, j'ai besoin que tu m'aides genre à taper un boss ou à faire tout un niveau parce que j'ai trop du mal et tout. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est extrêmement difficile. Ce jeu veut votre mort d'un bout à l'autre. Par exemple, voilà, dans le premier niveau... Dans la vraie vie, c'est un jeu maudit. Voilà. Ne touchez jamais Demon Soul. Je veux te tuer, un conculé. Lui, comme un con, il a acheté. Mais alors, attention, le jeu vaut votre mort. Voilà.
Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce jeu veut réellement votre mort dans le sens où il est, c'est truffé de pièges. Vous avez des occasions de mourir à chaque instant, que ce soit en tombant d'une falaise, un piège qui vous tombe sur la gueule. Par exemple, à un moment donné, dans le premier niveau, genre vous avez à traverser une passerelle, vous entendez un dragon au loin et d'un seul coup, en fait, bon, on sait pas trop ce qui se passe, pouf, le dragon en fait se met à asperger de flammes le pont. Et bien sûr, bah si vous passez en dessous avec votre petit niveau et votre petite barre de HP, bah boum, ça y est, c'est la mort directe. Et donc pour revenir juste aux histoires de fantômes, avec ça vous avez en fait les fantômes noirs. Donc les fantômes noirs en fait ce sont d'autres joueurs qui peuvent venir envahir votre monde et vous provoquer en duel. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas extrêmement fréquent. Donc pas de crainte à se dire oh on va venir me saouler tout le temps à me tuer etc. Je vais pas pouvoir jouer tranquillement. Ça il y a pas franchement de problème à ce niveau. Et faut savoir aussi que comme eux peuvent venir vous envahir, vous pouvez aussi aller les envahir. Ce qui est très sympa, bon bien sûr il faut avoir du niveau etc. Mais ce qu'il faut savoir c'est que bon, les joueurs qui ont eu le jeu depuis un moment maintenant sont des joueurs hardcore et voilà. Enfin je vais vous parler de tout ça dans la deuxième partie maintenant. Oui il va y avoir une deuxième partie. On a servi à rien du tout. Hein. Alors moi et l'aspi on a servi à rien. On était les deux grosses merdes du truc. Donc voilà, donc rejoignez-nous dans la seconde partie, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé. Allez, allez-y, au revoir.